comme je t'ai dit, ta mère, je l'apprécie beaucoup. Et alors, qu'est-ce qu'elle a, la daronne? Bah, une fois, il se peut que ça a un peu dérapé entre elle et moi. Elle m'a réveillé, elle m'a dit, tu veux boire un coup, tout ça. Moi, j'ai dit, ouais, pourquoi pas. Puis on parle, on continue à boire et tout. Et puis, d'un coup, ben, c'est parti tout seul. Non, je te jure que non, mais je savais pas comment te... Je savais pas comment te l'avouer. Je savais pas comment te l'avouer. Arrête, 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 arrête. Dis-moi le maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? C'est grave? Oh, les gars! Hugo! Ah, lâche-le! Hugo! Hugo, arrête! Lâche-le! Vas-y, lève-toi, crie! Lâche-le! Hugo, arrête-toi! Oh, lâche-le! Ah, arrête! Hugo, lâche-moi! Arrête, Hugo, s'il te plaît! Lâche-moi! Hugo, s'il te plaît! Il a mis un cette merde, fils de pute! S'il te plaît! Il va pas mourir! Arrête, Hugo! 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 Calme-toi! Calme-toi, j'ai pas envie de te faire mal! J'ai pas envie de te faire mal, s'il te plaît! S'il te plaît! Comment ça, je vais calmer? J'ai pas envie de te faire mal, s'il te plaît! S'il te plaît! Calme, respire, tranquille! Respire, tranquille! Respire! Oh, la petite grosse, t'as pris! C'est rien, frère! Je vais te Ça va, écoute-moi, stop. Allez, respire, tranquille. C'est bon, tranquille, ça. C'est bon, tu te calmes. Allez, insulte-le si tu veux, mais tu restes là, tranquille. Tu calmes là ou quoi? Calme-toi. Respire tranquille, doucement. Vas-y, levez-moi. Respiration profonde, s'il te plaît, écoute-moi. Vas-y, levez-moi, s'il te plaît. Levez-moi, levez-moi, je suis malade. Bon, on va te relever, mais tranquille, je vais être assuré que tu. Là, je vais faire un truc simple, je vais appeler mon daron. Non, comment? Je vais encore heureux, je vais appeler mon daron. Si c'est pas moi qui te casse le cul, c'est mon daron qui va lui casser le cul. Je vais appeler mon daron, je vous le dis, je vais appeler mon daron. Bah, j'ai une grosse fille, je l'appelle pas mon daron. Et tu te calmes si je te. Arrête, qui toi? Arrête, qui toi? Arrête, arrête, qui? Hugo! Hugo, stop, s'il te plaît, stop. Allez, stop. Je sais pas, c'est pas contre toi. Je sais, tu as raison. Je sais, tu aurais fait comme toi, je n'aurais pas frappé. Oui, j'aurais réagi comme toi. Mais il faut pas. J'ai merdé, mais putain, je sais pas comment faire. Christophe, tu restes assis si je viens? Ouais. Tu te lèves pas, ok? Maxou! Il a intérêt, quoi! Il peut pas se lever, il a pas intérêt, ce qu'il dit. Maxou! Ouais! Je te mets devant, ok? Parce que je vais pas rester par terre! En même temps! Je vais lui dire un truc. Attends, laisse-moi te relèves. Ça, tu me tiens, mais je vais lui dire une. Allez, ça va. Je vais te dire un truc, ça va peut-être t'énerver. Mais c'est la vérité. C'est pas le seul responsable. On est d'accord? Je sais, on est là, ton grosse. Ok, c'est ta mère. C'est pas le seul responsable, d'accord avec moi? Ah, je vais pas frapper la madaronne non plus. C'est pas dit ça. Mais lui, je te wow! Calme-toi! Reste là, tu lui parles de là, tu vas-y, avance un peu encore. Voilà. T'as vu, on va faire un truc simple. Parce que là, il me tient, parce que s'il me tient pas, je t'arrache la tête. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un truc simple, je vais appeler mon daron. Et c'est mon daron qui va venir te voir, ok? Oh, il le sent entre nous, c'est bon. Non, on veut pas sentir entre nous. Mais le daron, il est concerné aussi, Christophe. Il a raison, concerné, le daron, il est concerné. Rappelle ton père. Oh. Je t'ai dit quoi? Appelle ton père. Vas-y, je vais appeler. Là-bas. Appelle ton père, maintenant. Appelle ton père, vas-y. Allô? Voilà, papa, ouais. Ouais, viens de suite là, viens de suite. Ouais, je me suis battu avec Christophe là. Ouais, je me suis embrouillé là, il faut que tu viennes là, vite urgent là. Non, mais pose pas de questions, pourquoi. C'est ce qui crée au moment voulu. Viens s'il te plaît, viens. Et je t'expliquerai tout en détail, ok? Vas-y, je suis au parc là, Tu es là dans 10 minutes, allez, c'est bon. Allez, c'est bon, je t'attends. Allez, vas-y, à tout à l'heure. Il arrive, t'inquiète pas. Bon, ça va bien se passer, t'inquiète, on est là. Christophe, son père il va arriver, je te conseille de partir. Ouais, mais c'est bon, tant que faire, je reste, moi j'assume. T'assumes. Tranquille. Ça va, tu vas assumer, je vais avoir un peu de temps. Je n'arrive pas, c'est pour aider mon père en plus. Ouais, un peu grand, baraquine, ouais, j'ai déjà vu. Ouais, j'ai déjà vu, mais tu vas voir, là tu vas bien le voir, là tu vas bien le ressentir, là, tu vas voir. Christophe, à ta place, je partirai. Écoute, après on est là, on peut parce qu'on est deux, tu es tout seul, ok. Mais Christophe, là, il t'a pas frappé plus que ça parce qu'on est là. Si son père revient, on pourra plus rien faire, moi et Max. Tu comprends? Je sais. Donc je te conseille de partir. Parce qu'il va arriver dans même pas 5 minutes. Mais lui, c'est un homme, comme il a dit, porte ses petites. Lui, c'est un homme, comment il s'écoute. Il va rester. Mon grand, oh, regarde-moi. Allez, avec moi, c'est bon, ça va bien. Non, je sais, je comprends pas. Allez, arrête ça. Allez. Je sais. Allez, je sais, il va mourir. Mais tu sais qu'il va mourir. Mais c'est un homme mort. Allez, Hugo, calme-toi.
frérot, je sais, allez, 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 qu'est-ce que se passe? Je peux pas dire ça, mon père, je peux pas dire ça. J'ai trop du mal à expliquer, s'il te plaît. Christophe, qu'est-ce que se passe? C'est compliqué, hein? C'est quoi qui est compliqué? Vas-y, parle! Parle, vas-y! Dis-moi, je veux dire, qu'est-ce que se passe? J'arrive pas à le dire, là. Oh! Allez, repends-toi un peu, oh! Oh, ah, pleure pas, allez. Ça, j'ai avec toi, y a ton père et tout, là, allez, c'est bon. C'est ce qu'il a fait? Vas-y. T'as vu, un jour, on rentrait de soirée et tout. Oui, elle avait un peu bu, tu sais, c'est... Il a rouge à la main, il a couché avec. Comment ça, il a rouge à la main? Ah, c'est mon boucan, c'est pas vrai. Bah, c'est ton ami, tu vas pas faire les conneries quand tu racontes. Mais c'est pas, on m'a dit, c'est lui qui me l'a dit. Comment ça, c'est toi qui l'as dit? Ah, Christophe, c'est quoi cette histoire là? Laisse-moi un pack là. C'est compliqué, c'est. Comment c'est compliqué? Eh oui. T'as couché avec ma femme ou t'as pas couché avec ma femme? Oui, mais c'était pas. Oui, quoi? Bon, crache le morceau là, c'est quoi le bordel? Le soir, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quoi? Quelque chose quoi? On a bu, et puis après, c'est parti tout seul. Et... C'est parti quoi tout seul? On a couché ensemble et... Comment vous avez couché ensemble cette soirée? Je vous crois pas là. Dis-moi quoi comme histoire là. C'est quoi cette histoire que tu fais là? C'est quoi ça? Elle a même appelé tout à l'heure, vous pouvez lui demander. Vous êtes à la maison tout le temps, ça, comme deux frères, vous êtes tout le temps à la maison? Tu manges, tu bois, tu dors à la maison? C'est même pas ce que je regrette justement. Et voilà. Et je sais pas comment dire et... Pourquoi? Oh, Mino! Oh, Christophe! C'est quoi ce délire là? Tu joues à quoi là? Oh les gars, stop! Là, histoire de famille, c'est bon, on se met pas au milieu, là. On se met pas au milieu. C'est quoi le problème? Moi, je veux pas de problème. Non, mais justement, là, t'en fais des problèmes. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, mais si j'avais pas de problème. Oh, mais si j'avais pas de problème. Oh, tu joues à quoi, là? J'aurais jamais rien fait. Tu joues à quoi? Je suis désolé. C'est tout ce que j'ai à apprendre ou il y en a encore d'autres, là? Et alors, on fait comment, là? Je sais pas comment on fait. Tu viens discuter ou quoi là? Monsieur! Monsieur! C'est quoi? Non, monsieur! Pourquoi vous le frappez? Ah bah oui, dis-moi que c'est une blague, je prends la tonade. Dis-moi que c'est pas vrai. Attends, papa, c'est quoi? Attends, quoi? C'est pas tout. Comment c'est pas tout? C'est pas tout. Tu sais ce qu'il a fait aussi? Ce fils de pute! Non, je te jure, hein. Sur papier, hein. Je te jure, sur papier, hein. Tu sais, je jure pas fort. Maman m'a fait de. Elle appelait à maman. Devant moi, tu sais ce qu'elle a dit? Elle est tombée enceinte de lui. Et je te jure, sur papier, c'est vrai. Monsieur, ça va? Hein? C'est rien, monsieur. Papa. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? J'ai des problèmes au cœur. Attends, Christophe. Tu oses me faire ça? Attends. Tu oses me faire ça, Mino? Christophe! Je te fais ça, madame, mais attends! Je te fous de ma gueule? Attends, monsieur. Vas-y, dégage! Dégage, je veux plus jamais te voir, Mino! Dégage! Christophe! Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Appelle les pompiers, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Il a des problèmes de cœur, ton père? Oui, il a des problèmes. Monsieur? Bon les gars, on se retrouve pour la fin de cette vidéo, il s'est passé du temps depuis, donc Christophe est parti comme vous l'avez vu, donc voilà, on s'est focalisé sur le papa qui apparemment a fait un infarctus les gars, parce que c'était quelqu'un qui était fragile du cœur, on a appelé les pompiers, on a arrêté de filmer parce que ça devenait vraiment trop chaud, il n'arrivait plus à respirer, il disait qu'il avait une sorte de poids sur la poitrine, donc apparemment voilà. Et quand les pompiers sont venus, ils l'ont direct embarqué, il y a le SAMU qui est venu, tout ça. Donc apparemment, de ce qu'on sait quand ils sont partis, il a fait un infarctus. Le SAMU était plutôt, voilà, un infarctus ça arrive souvent, ils ont l'habitude de traiter ce genre de cas. Donc le père va bien en quelque sorte, je ne sais pas s'il va bien. Ce que je sais, c'est qu'en tout cas il a été pris en charge, voilà. Et que quand c'est arrivé, je pense que l'émotion, le fait d'apprendre ça, de s'énerver, tout ça, je pense que s'il était un peu fragile du cœur,
ben ça a dû, voilà, ça a dû jouer, c'est même sûr et certain. On vous donnera des nouvelles sur la chaîne secondaire dès qu'on en a, parce que là, ben, on n'a aucune nouvelle pour l'instant. On doit attendre qu'il sorte de l'hôpital, on va voir s'il a un traitement, etc. On ne sait pas encore. J'ai pris le numéro de Hugo, d'accord. Et comme ça, Hugo, parce qu'il n'a même pas compris pourquoi il y avait une caméra, on n'a même pas eu le temps de lui expliquer, les gars. Donc j'ai pris son numéro, je l'appellerai et peut-être que je le ferai revenir pour pourquoi pas témoigner sur la chaîne secondaire, voilà. Pour ce qui est de Maxou, rajoutez-le sur Instagram. S'il n'avait pas été là, je pense qu'il aurait démonté la gueule. Il se serait démonté la gueule. Donc franchement, ils peuvent les remercier parce que grâce à lui, je pense, ça a évité des procédures judiciaires pour rien. Et des nez cassés, des dents cassées aussi. Donc voilà, rajoutez-le sur Instagram, il s'affiche ici. Et en ce qui nous concerne, on se retrouve mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo. Et le seul conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas faire venir, de ne pas laisser vos... Ah, il n'y a aucun conseil en vrai, les gars. Là, vraiment, c'est des trucs que j'ai jamais vu de ma vie. Je connais personne à qui ça est arrivé. Là, c'est vraiment un cas. Voilà, il n'y a pas de conseil à donner. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est de revenir mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo. Et le dimanche à 18h sur la chaîne secondaire pour une vidéo aussi. Voilà. Bisous.